Et salut, toi derrière ton écran, c'est Gamaliel, j'espère que ça va comme tu veux. Aujourd'hui, Euro 2021, mais c'est marqué d'Euro 2020. Mais bon, Euro 2021, t'as compris, décalage, tout ça. Dernier match de la France en phase de groupe face au Portugal. Donc on peut dire que je vais en chier sûrement. On va enchaîner demain. Si ça tombe comme ça, tac tac tac. Ouais, demain c'est le dernier match de l'Espagne. Théoriquement, je suis censé passer en 8ème. Pas de mentir. La France se prépare pour ce match. Ça devrait passer. Face au Portugal, c'est pas très serein, mais bon. Le staff qu'on a croisé tout à l'heure dans les couloirs du stade. Le coach ambitieux pour cette rencontre. Ils espèrent que leurs joueurs vont tout simplement s'imposer. On espère pour vous, les téléspectateurs, que le spectacle sera aussi au rendez-vous. En tout cas, on verra bien. Très bon. Bon, je sais que c'est une grosse équipe, quoi. Donc, je suis pas censé la mettre 3-0. Plaisir d'être dans ce stade. Même si je commence un peu à prendre le gameplay en main. Comme ça, on prend les marques. Et voici l'hymne national de la France. Pendant ce premier hymne, ouais, quelle émotion, la syncro-labiale aux fraises. C'est même pas juste un problème de syncro-labiale, je pense. Je pense que c'est des mouvements random des lèvres en fait. Ils sont pas trop cassés, en tout cas les expressions sont incroyables. Allez, c'est parti, France-Portugal. Allez. En fait, j'ai envie d'être agressif direct. Je crois que les défenseurs qui vont devoir le marquer aujourd'hui seront d'accord avec vous. Y'a personne, si, y'a lui. Allez. Je vais me faire emprisonner. Oh oui! Oh oui! Giroud! Oui! Putain! En même temps, c'est Giroud. Hein. C'est pas ce que j'espérais d'autre. Le duel engagé, c'est un exercice qu'il maîtrise. Non! Oui! Pas le temps de se lamenter. Oui! Ouais! Récupéré. Ouais! Bien servi! Ouais! Au centre! Ouais! La tête! La oui! Direct d'entrée de jeu! Qu'est-ce qu'il y a? C'est clair qu'il lui a pas fallu longtemps pour démontrer tout son talent. C'est que je commence à être chaud. Non, c'est faux, je suis mal. Mais le mois de maintenant pourrait largement battre le mois du début. Voilà. C'est ce que je veux dire. Et désormais, il en est à 3 buts. Ouais, bon, on va pas s'attarder non plus 30 ans. Tac. Tac. C'était pas mal pour un noob, c'était pas mal. Mais on n'aura pas attendu longtemps. Tiens, on leur met la pression. Peut-être une occasion pour Cristiano Ronaldo. Une faute ? Non. Récupération sans livrer. Merde. Ouf. Oh. Quoi, hors jeu ? Coup de sifflet, hors jeu. Oh. Mais le gars, il a un orteil hors jeu, quoi. Quel enfer. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Guerrero. Ruben Dias. Oh ! Oh ! Oh ! Le bon dribble. Oh ! Oh ! C'est sans conséquence, mais quelle prise de risque inutile. Oh, l'occasion était incroyable. Bien joué. Bruno Fernandes. Ricardo.
Ricardo qui a de la liberté. Transversal ou pas? Le Portugal qui utilise ses latéraux quasiment comme des ailiers. Et vous pensez que c'est pour peser en attaque ou plutôt pour forcer les ailiers en face à défendre? Sans doute un peu des deux, Grégoire. Non seulement ils peuvent combiner avec les joueurs de couloir, mais en plus ça oblige leur adversaire. Ouais, c'est fini, ouais. Descendre d'un cran. Plutôt malin. What the... Oh la chatte que j'ai. De précision. Ça va sûrement faire réfléchir la défense. Ah, ça sera dialogue, au fond. On laisse des adversaires tirer de loin. Ouais. C'est du bol, hein. Du bol. Giroud va-t-il en profiter? Ouais. Griezmann. La France. Non. Qui essaye de construire. Attends. Mais... Hein? C'est le bordel. William Carvalho. Insupportable, vraiment, les gens. Avec Bernardo Silva. Et le ballon continue. Personne veut prendre la balle. Merci beaucoup. Tant qu'on le garde dans le but, il est inoffensif. Bon, ça passera pas là, ça passera pas. Oh, c'est passé. C'est passé. Oh, attention. Kanté. Non. Ah, bâtard. Il ne se pose pas de questions. Oui. Ah, le poteau. Oh, le poteau. Où est la balle? Je comprends pas ce qui se passe. Vers l'avant. Elle est bien cette caméra, t'as une bonne lecture de jeu, mais c'est un peu long quand même. Sergio Oliveira. On voit tout ce qui se passe. Il oh, ce match est incroyable. Tiens, allez. Et non, allez, c'est. Oh, ah, c'est dommage. Incroyable, tout le monde panique. Mais ça n'a pas suffi. Oh, comme ça. Ruben Dias. Mbappé. Griezmann. Mbappé. Ça passera sur le côté. Attention, ça peut aller vite, côté gauche. Non, c'est pas ce que je veux faire. Oui. Jusqu'au bout. Putain, mais et il panique, hein, t'as vu? Non. Oh putain. Mais quoi? Ça joue long vers l'avant. Ce contre peut très bien aller au bout. Bruno Fernandes. Oh, dans la profondeur. C'est la merde. Il est passé. Il file. Il prend sa chance. Oh, comment. Non, mais comment j'ai trop de bol? Comment j'ai trop de bol? Comment ils peuvent louper ça? L'IA, non, l'IA. L'IA, en fait, elle est encore pire en attaque qu'en défense. Quand t'es en normal. Non mais allez, non mais non, non, là ça aurait dû être 1-1, putain. Guerrero, bon service dans la profondeur. Oui, j'ai rien fait, hein, j'ai appuyé sur rien du tout. Hein. Vraiment, ça c'est genre le niveau auto, tu vois, de l'attaque, quoi. J'ai rien fait. Joli, c'était joli, inutile mais joli. C'était bien tenté, ils voilà. Étaient nombreux sur lui quand pour même. Pour voir ça ralenti. Hop, ouais, on a pas trop compris, les chocs sont bizarres d'ailleurs. Promis. Bon après, je vais pas te mentir que... Oh, oh putain, non, hors jeu. Ah. Oh, le seum! Le seum! Il n'y a absolument rien à dire! Il y avait hors-jeu! Oui, bah, c'est très bien! Le gars a tellement de seum qu'il traverse les atomes! Bah, oui, hors-jeu 2000. Dommage, hein! J'aurais kiffé, hein! J'aurais kiffé là, les. Un partout! Notamment la mi-temps, j'aurais kiffé! Ah, j'ai le seum pour lui! Bah, je serais tranquille à 2-0, tu vois! J'aimerais bien leur mettre un petit 2-0 avant la mi-temps, tu vois! De leur mettre les stockades. Mbappé. Faites n'importe quoi les mecs.
Faites n'importe quoi. Mbappé. Ouais, bien sûr. Quelle occasion encore. Ça ne le sourit pas pour le moment, mais c'est bien quand même. Ils se procurent des occasions. C'est du moins qu'on leur met la pression, c'est bien. Bon, attends, faut qu'il marque. Kanté qui récupère ce ballon. La passe est précise. Ah, mais y a personne là. Digne. Putain, fais chier quoi. Qu'est-ce que vous branlez? Vous êtes fatiguant de ouf. Oh le bon ballon. Mais. Mais tu pouvais, mais. Quoi? Bruno Fernandez. Ah, je pensais pas qu'il allait passer Griezmann. Voilà, le bon dribble. Ouais, faute, tu sais. Ah, oh, les deux qui rushent sur le ballon. S'il le trouve. C'est fini. T'as de récupérer toutes les balles. Oh là là, non, là, là, j'ai rien à dire. Oh là là, le boulet de canon. J'ai rien à dire. À la 45e minute. Ah, c'était beau. Non, là, clairement. Premier but, je le prends. Non, là c'était incroyable. Il n'y a pas d'orange, il n'y a rien du tout. Regarde-moi ça. Non, c'était propre. Putain, juste avant la mi-temps. Et moi qui voulais en mettre un avant la mi-temps. Et ça repart du rond central, égalité parfaite. Les occasions sont rares dans ces matchs, mais il a réussi à profiter de celle-là. La passe dans la profondeur. Ouais, donc sinon c'est la mi-temps. Un partout, bon, je suis pas inquiété, c'est pas trop grave. Mais bon, si je pouvais faire un perfect, j'aimerais bien faire. Et tout reste à faire dans la seconde partie. Oh, la possession, c'est le Portugal qui me domine, mais de loin quoi. S'ils ont fait un tiers cadré, c'était le bon. Attends, mais. Il a pas compté comme tir cadré le hors-jeu. C'est reparti. Match étrange. Pavard. Pogba. Digne. Quelle notation, attention. Il pensait avoir fait le plus dur, mais le gardien était bien présent. Sera le premier corner du match. Et on se le tente. La tête. Oui. La tête. Et les filets tremblent déjà. Les joueurs de ce calibre ne restent jamais trop longtemps sans marquer. Quel régal. Ah, les corners, non, c'est du bol. Quel sang-froid quand même pour échapper à la défense et conclure cette action. Quelle puissance chez ce joueur. Pourtant, la défense a fait tout ce qu'elle a pu. Il est inarrêtable. Le choc, c'est pas ça qui est ça. Il en est désormais à 4 buts dans la compétition. Ouais. Bon, bah voilà. Là, on est bien. On est comme avant la mi-temps. Les voilà avec un petit but d'avance. Non, parce qu'ils ont égalisé avant la mi-temps. Mais t'as compris. Bruno Fernandes. Ruben Dias. Sergio Oliveira. Ruben Dias. Pep. Long ballon dans le sens du jeu. C'est très con de faire ça. C'est récupéré. Digne. Griezmann. Ça peut être extrêmement dangereux. Le jeu repart vers la droite. Il n'y a personne là. Ouais, j'ai essayé. Je cherchais un moyen de sortir de là. J'aime pas trop faire passer le temps pour faire passer le temps, tu vois. C'est pas mon délire. Oh oui. Oh non. Dommage. Griezmann qui récupère le ballon. Il était temps. Quelle séquence de passes, collectivement c'est parfait. Oui, oh, non, Pogba. Pas trop attendu. Putain. Pavard.
Il s'échappe le long de la ligne. C'est pas lui que je voulais faire la passe, putain. Et ils essaient de repartir de derrière. C'est chiant. Guerrero. Ils ont la possession, mais ils sont dans leur camp, donc en vrai, c'est bien d'avoir la possession. Mais bon. Putain, non, j'étais trop loin. Attention à ça, attention à ça, attention à ça, attention à ça. Il y a peut-être un coup à jouer, sans trop travailler dans la surface. Voilà, c'est ce genre d'attaque qu'il faut tenter. Bon, c'est pas comme s'ils avaient le choix non plus. Attention là. Oh, voici Pogba. Pavard. Non, y a rien à faire. Mais quoi? Non, j'ai l'impression qu'ils vont prendre le ballon, ils le prennent pas en fait, il laisse passer du coup ça me... Oui bah il a déjà fait le coup de passer dans le dos, alors forcément il se méfie maintenant. Il me déconcentre. La longue passe. Mais on va pas laisser Ronaldo encore une fois. Cristiano Ronaldo. Non. Vous êtes des ouf les mecs. Hein. Griezmann qui cherche la profondeur. Bernardo Silva. Ils sont beaucoup trop chauds. Je savais que le Portugais allait être chaud. La tête, attention les gars. On peut dégager ce ballon s'il vous plaît, merci beaucoup. Attention aux fautes. Exceptionnel. Griezmann. Merci. Il y va tout seul. Pogba. Ah mais. La passe est précise. Ça va sur l'aile. Ça sent la frappe. Non, j'ai pas eu le temps de la faire. Non, il m'a gagné. Non, ma frappe, salaud. Pep. Sergio Oliveira. Il change d'aile. Il allonge, pourquoi pas. Ok, il a foutu dehors. Ouais, les Portugais, ils ont beaucoup de possession. Mais ils jouent beaucoup en fait, en retrait. Donc, l'entraîneur a décidé d'effectuer un double changement. Peut-être un changement. Besoin de la garder 30 ans la balle. Ou simplement du sang frais. Sang frais. Vampire ou quoi? Pogba qui est donc passeur décisif dans cette rencontre. Ah le bâtard. Ma balle putain. C'est pour ça ce type. William Carvalho. Avec Bernardo Silva. Bon non mais là je fais nappe. Cristiano Ronaldo. Non lui on l'a non. Vu tromper la défense adverse. Non lui il faut. Bon, j'en ai marre. C'est bien donné. Quoi? Mais non, mais c'est une blague, mais pas là. Ça sert à rien de s'exciter comme ça. Vas-y, on veut du sang. Je peux comprendre que ce soit frustrant. Mais non, pas maintenant. Dans cette situation, mais il doit s'en vouloir, même si la faute était presque inévitable. Putain. Oh, c'est chier. Bruno Fernandez. Le corner, putain. Le corner, c'est dangereux là. Les gens à ce bordel là. C'est dehors, c'est corner, c'est quoi? Pas de chance sur ce coup. Non. Mais non, là je sais pas. Putain. Ouais, non, ça n'ira pas au bout. Ouais, ça dégage, ça dégage, ça dégage. On va pas le récupérer. On va pas le récupérer, putain. De quoi? Eh bah, elle est sortie, hein! Bien tenté. Ah, vous êtes des ouf les gens, hein, en jeu. Giroud. Pourquoi je laisse passer la balle? Pourquoi tu laisses passer le vol? T'es un ouf! Putain, mais tu êtes des. Putain, il aurait dû la mettre celle-là. Ouais, hop là, je skie la balle. Putain, du bol. On devrait être à 3 hein, là, en fait. Ouais, mais ouais, ils sont 8 milliards. 8 milliards de gars là, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il joue au pied? Là, ils cherchent à tuer le match, c'est normal, ils veulent vraiment passer ces dernières minutes. Il y a personne. Tranquille. C'est pas fini. Arrête! On est marre de ces fautes avec nous.
Casse le jeu. Ah, y a rien. Une poignée de secondes seulement, la victoire leur tend les bras. Non, oui. Qu'est-ce que tu fais? C'était pas lui que je voulais faire la passe, putain. Mais arrêtez d'être nul! Pogba, Pavard, Giroud. La tentative! Ouais, mais non, au contraire, de toute façon. Je peux pas, il allait me prendre la balle, je peux rien faire. Le temps que je me retourne. C'était pas ouf. Oui, oui, oui. Ta mère, de la merde, de la grosse merde en boîte. Putain, enfin un plateau quoi. Comment ça? Putain, idiot. Comment je peux louper ça? C'est joué long. Mario Rui. C'est bientôt la fin du match. Si ça continue comme ça, ils finiront par avoir des regrets. Bah c'est moi qui ai des regrets pour l'instant. William Carvalho. William Carvalho. Qui tente une passe longue. Pogba. Bah c'est fini. Le coup de sifflet final. C'est fini. Ouais, c'était pas brillant. C'était pas brillant. Mais ils m'ont un peu fait la retard, mais c'était pas brillant quand même. Aurait dû me bouffer 3-2. Il n'y a qu'un petit but d'écart. 3 sur 3. 100% de réussite, 3 matchs et il aurait pu avoir 3-3, sincèrement. Je m'en fais c'est de... parfait. Bon, Darren, votre analyse sur cette rencontre. Eh bien, je crois que c'est très bien de finir sur une victoire. Ouais, même c'est si bien de finir sur une victoire. Bon, j'ai fait 3 victoires. Ça montre oh, la possession. Tir cadré. C'est la fin de cette après-midi de football. On s'est régalé tous ensemble et merci à vous, Darren, d'avoir été avec nous. C'est toujours un bonheur. Eh bien, vous voyez comment ça se passe dans le groupe. Oh, l'Espagne a mis 4-1 la Slovaquie, c'est bon. Pologne 0-0 avec la Suède, l'Allemagne a mis 1-0 la Hongrie. Et la France va 2-1 au Portugal, évidemment. Et du coup, dans mon groupe, bah, j'ai 9 points, forcément, je passe, ça me paraît logique. L'Allemagne aussi, du coup, c'est Portugal et Hongrie qui dégage. Ouais. Putain, l'Allemagne. On va pas faire la Hongrie, évidemment. Bon, sans surprise, la Hongrie hein, qui s'est fait défoncer. Voilà. Oh, la compression. Oh, ça sera France-Finlande, incroyable. Eh bien, écoute, France-Finlande, pour toi, ça sera jeudi. Si je dis pas de conneries, tac. Ouais, ça sera jeudi, 18h. Si j'ai pas de problème du poudre. Et puis voilà, ce fut cool. Je fais un petit match sympatoche, évidemment. Lien en description, Twitch, Discord, Insta, la routine habituelle. Évidemment, passe une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, sur l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Et j'articule. Et n'oublie pas, car moi, j'oublie pas la prochaine. Tchuss.